Bonjour, délicieux co créateurs C'est Lilou. Je suis à Lyon aujourd'hui. Je suis avec Denis. Bonjour, Denis. Bonjour. Enchantée de pouvoir avoir ce petit moment privilégié avec toi et puis diffuser ça au plus grand nombre. Puisque ton message, j'ai beaucoup apprécié. Tu viens de parler à la rencontre des mondes ici à Lyon, organisée par Oasis Voyage. Tu as été le premier sur scène. Oui, c'était un grand plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Eric et, et Eric Grange qui organise, donc qui est vraiment dans le timing. Donc, c'est vrai que je suis sûr que tu as énormément de choses à, à, à parler, mais ça m'a beaucoup. Euh, Interpeller ce que tu as dit par rapport à trouver euh, sa vérité, en fait. Parce que tu es philosophe, tu as écrit plusieurs livres, tu peux nous rappeler les titres de tes livres Oui, le premier livre c'est Colère, c'est euh, ça, ça un best-seller, c'est un, un thriller écolo-philosophique, euh, un petit peu sur une apocalypse euh, écolo. Et euh, ensuite j'ai écrit Père, un livre sur la, sur la paternité, euh, un roman, hein, mais à base autobiographique. Ensuite La planète des fous, un roman un petit peu initiatique, euh, un peu ésotérique aussi. Euh et euh, peut-être mon, mon préféré de tous, et euh, un, un polar, Mortelle Éternité, et deux essais, éléments de philosophie angélique, euh, qui est un un travail un petit peu sur la dimension d'intériorité et comment accéder à, à la vérité de l'être qu'on est et puis aussi comment sortir des impasses de la de, de la civilisation moderne postmoderne tout ce qu'on voudra je pense qu'on est en train d'accoucher de quelque chose d'autre et j'essaye de tracer des, des pistes c'est ça. ça dont je veux parler parce que j'ai en ce moment j'ai l'impression qu'on est il y, a, bon, il, y a une, il y a de grosses transitions qui sont qui se mettent en place et c'est vrai qu'on n'a plus envie on a envie de vivre sa vérité de et en même temps ça fait peur comment tu vois la société euh, de la société actuelle et comment accéder ensuite, parce qu'on a parlé de voyage là, mais je suppose qu'on peut le faire aussi de chez soi euh, tranquillement ou pas Ou il faut se bousculer euh, Non, il faut pas se bousculer. Il y a, y, a, y a simplement une révolution intérieure qui. qui qui est en train de se faire, c'est-à-dire euh, moi je pense qu'il s'agit surtout d'y résister le moins possible. Parce qu'on est travaillé par quelque chose et on est travaillé notamment par une impasse. Euh, ce que je disais à la fin de cette intervention, c'est que pour moi euh, la spiritualité c'est tout ce qui peut se passer à partir du moment où je me retire de la position d'origine, c'est-à-dire où je cesse de vouloir être celui qui décide de tout. Or, euh, on vit dans une culture qui, qui a défini l'être humain comme un, un sujet, c'est-à-dire un subjectum. C'est celui qui est au fondement de tout et qui décide de tout. Et donc, euh, nous nous sommes construits avec l'impératif de montrer que c'est bien nous qui décidons de notre vie, que chaque fois que nous agissons, c'est pour de bonnes raisons, etc., etc. Et c'est quelque chose qui étouffe la spiritualité en nous. Donc, il, il faut, la, la définition de l'être humain sur laquelle nous nous sommes construits, parce que notre civilisation est construite dessus, elle nous met dans la passe. Donc on est travaillé par une contradiction, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sentent menacés par l'effondrement, beaucoup de gens qui se sentent euh, qui, qui, qui traversent même des dépressions qui sont parfois si c'est bien vécu, des moments initiatiques essentiels. Euh, et là, c'est le thérapeute qui parle. Euh, c'est notre civilisation qui est malade, notre civilisation qui étouffe la dimension spirituelle. Et du coup, je crois qu'à partir du moment où on prend conscience qu'il est possible de lâcher la position d'origine et de se laisser traverser par quelque chose qui en nous est plus profond que le, que le moi, euh, à ce moment-là, bah, il se passe des choses merveilleuses. On se laisse emmener, on se laisse transformer par la vie, on se laisse transformer par le réel, on va à là où on ne sait pas, et donc euh, on rentre dans l'émerveillement. Est-ce que c'est lâcher prise Parce que beaucoup de personnes parlent de lâcher prise. Oui, c'est le lâcher-prise, mais en un sens très précis, c'est ne plus vouloir être celui qui est à l'origine de tout ce qui se passe, et donc accepter de, de, de ne plus pouvoir rendre raison de ce qui se passe dans sa propre vie. Donc dans le coup, y a, y a quand même, on a besoin d'avoir confiance en soi, confiance en la vie, peut-être qu'il y a eu des, des blessures avant ça, qui, qui ne favorisent pas ce, ce petit nid, justement, on peut se dire, tiens, je fais confiance. Bien sûr, tout le problème est là. Les blessures, il a fallu survivre à ces blessures qui sont intervenues très tôt dans notre vie, à un âge où, où elles auraient pu nous détruire. Donc on a construit un système de défense, et un système de défense qui fait que nous avons tendance à contrôler les choses. S'il y a en nous des sensations que nous avons dû refouler parce qu'elles nous menaçaient, forcément, euh, on va se défendre contre des éléments du monde extérieur qui peuvent raviver ces sensations. Donc on va se fermer à certaines choses du monde extérieur parce qu'on est fermé à certaines choses qui sont à l'intérieur de soi. Donc tout le travail consiste aussi progressivement à, à accepter de lâcher ses défenses sur la base d'un constat qui est, qui est très positif, qui est que ce qui était insupportable à une certaine époque, dans notre petite enfance par exemple, est devenu vivable. Nous pouvons nous laisser traverser par ces choses-là et donc en guérir, et guérir de toute la construction qui nous étouffe, que nous avons dû mettre en place pour survivre. Ce qui nous a permis de survivre, c'est ce qui nous étouffe. Mmh. Oui, mais ça nous fait tellement peur, c'est un espèce de grand monstre qui va sortir du placard. Alors, dans tous les contes, il euh, y, y a des exemples où à chaque fois qu'on donne un baiser au monstre, il se transforme en une chose magnifique. Mmh. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il y a un, un petit moment initiatique où il s'agit de, de, de dépasser la peur mmh. et d'oser embrasser le monstre. Et c'est pas un monstre en réalité. Mmh. C'est notre énergie, c'est notre vitalité qui ne nous apparaît monstrueuse que parce que nous avons dû la recouvrir. Donc elle est dans l'ombre, elle est dans l'ombre et elle crie de, 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 de terreur et d'abandon. À partir du moment où nous lui ouvrons doucement la porte et on la laisse émerger dans la lumière, à ce moment-là, elle se révèle comme étant quelque chose de lumineux. C'est notre puissance, c'est notre énergie, c'est notre vie. Mmh, mmh. Il y a des questions, il y a des déclarations, il y a des intentions à poser pour faciliter un peu ce passage-là ce passage qui peut être difficile ou tu as des petites techniques à nous révéler D'abord prendre conscience que les événements de notre vie ont un sens qui consiste à aller réveiller les choses que nous n'avons pas envie de voir émerger en nous. Déjà c'est normal, si ça se réveille c'est bon signe. C'est bon signe, c'est-à-dire que euh, chaque événement désagréable de notre vie est en réalité une opportunité parce que ça vient nous toucher là où nous n'avons pas envie de, de mettre de la lumière. Euh, en réalité, nous n'en avons pas envie, mais nous le désirons profondément. C'est la seule chose que nous désirions vraiment. Donc la, la, les événements désagréables de notre vie sont en harmonie avec de, notre désir. Mm -hmm. Et euh, à partir du moment où on a réalisé ça, on rentre dans un rapport à la vie qui est beaucoup plus confiant, beaucoup plus, beaucoup plus ouvert, mmh, beaucoup plus fluide. Hein. Comment tu comment tu définis ce, 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 ce nouveau monde ou, ou, ou paradigme dans lequel on peut vivre assez facilement finalement bah, se, se vivre soi-même non plus comme un, un sujet rationnel qui, qui est à l'origine des choses et qui est capable de rendre raison de tout, se vivre comme un être qui est traversé. De plein de choses. Et ensuite, comme un être qui peut prendre la responsabilité de, de sélectionner ce par quoi il veut être traversé. On peut être traversé par, euh, par le, le souffle divin, comme on peut être traversé par, euh, par des, des dynamiques de séparation, des dynamiques de, de conflit et d'hostilité. Et c'est très important de prendre conscience que, euh, entre euh, la séparation et l'unité, ben, euh, on peut choisir à chaque instant et euh, du même coup accepter d'être traversé par des tas de choses dont on n'a pas à rendre raison parce qu'elles euh, viennent de plus loin que nous, elles vont plus loin que nous, elles nous traversent juste. Donc on n'en est, est pas euh, coupable parce qu'on n'en est pas à l'origine, mais on en est responsable parce qu'il n'y a que nous qui pouvons créer euh, à l'intérieur de nous et ch librement choisir ce que nous voulons privilégier, soit l'esprit de séparation, soit l'esprit d'unité. Et clairement, euh, on a la possibilité maintenant de vivre dans, dans cette unité euh, au quotidien. Ça ne dépend que de nous. Alors oui, ça ne dépend que de nous. C'est un, c'est un travail. Il faut accepter que ce soit un long travail. Et puis c'est un travail aussi qui se fait dans le passage, dans la transmission des générations. C'est pour ça qu'une des choses qui m'interpelle particulièrement, c'est la notion de l'éducation, parce que euh, un enfant arrive vierge au monde. Et c'est pour ça que j'ai écrit que mon dernier livre s'appelle Nos enfants sont des merveilles. Les clés du bonheur d'éduquer, c'est que je crois que l'émerveillement face à un être qui est complètement neuf. C'est ce qui rend possible d'avoir accès d'emblée à son être, à l'être unique qu'il est, et à ce moment-là de se laisser guider et transformer par lui, ce qui est la seule et la meilleure manière de lui donner de l'éducation dont il a besoin. Et je crois, à, à la fois, la, la situation actuelle du monde ne m'incite pas toujours à l'optimisme, mais le renouvellement des générations et, et les enfants qui arrivent et la qualité des êtres qui apparaissent aujourd'hui euh, me, me rend optimiste, me rend à, à, à une vision très positive de ce qui peut arriver euh, finalement assez vite. Mais ça dépend aussi de la manière dont nous nous comportons par rapport aux générations euh, qui arrivent. Euh, ça dépend de la, la, la relation que nous avons à l'enfance, à l'enfance des enfants, mais aussi à l'enfance que nous portons à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sommes capables de, de, de réveiller l'enfant en nous pour entrer en résonance avec la dimension d'enfance essentielle, d'enfance éternelle, le fait d'être sans passé, d'être vierge face aux événements et d'accueillir la vie dans l'émerveillement magnifique bah, écoute j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce, ce petit entretien il est rapide il est, il est tout court mais, euh, mais en tout cas merci beaucoup ravi et à une prochaine fois tu dois partir je sais donc euh, voilà mais en tout cas n'est ce pas délicieux mais magnifique co-créateur merci denis merci à toi c'était un plaisir <laughs> au revoir à bientôt <laughs>